Petit camping sauvage. Du gros bois là. Un grand champ. La petite caverne d'Ali Baba. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Personne en vue. Je vais en prendre juste un tout petit peu. Hop. Ça fait partie des bons moments, ça. Oh, il y a plein de petits bois aussi là-bas. On a bien effiloché. Il y a tout ce qu'il faut. Oh, on va se marrer. Ça, c'est tout pourri. Il y a un peu plu quand même. C'est humide à fond. Merde. On va mettre ça dans le sac en plastique. On va se faire blinder. C'est sec en plus. Ça, là. Allez, massage ce petit spot là pour faire du feu. Je suis con. Un petit peu trop près. Là. Alors j'ai tout là-dedans, tout ce qu'il me faut. Un petit cognac pour se réchauffer. Un allume-feu solaire. Un reste de tabac au cas où. Une petite lampe frontale. Une longue vue, s'il vous plaît. On voit rien. Des chewing-gums, des briquets. Et quoi d'autre? Du dafalgan. On fait tout. Hein. Là j'ai de l'allume-feu là-dedans. Et le couteau, bien sûr. Ok, je vais découper un peu d'écorce. C'est de l'allume-feu en gel, une paire de ciseaux, une bonne massue là, avec des clous. Celui qui me fait chier, il se prend pas la gueule. On va faire marteau. Si feu, c'est quand même bien sympa. Avec un petit whisky. Ah, ça marche bien. Waouh! J'avais oublié le plus important, évidemment, la pierre à feu. On va voir si ça marche. Allez. C'est un peu humide. Hein. Merde, c'est chaud quand même. C'est trop humide. Allez, putain, bordel. Faut vraiment effilocher, quoi. Terre que ça marche. Et la fumée, ça dégage. Yes. On va laisser respirer. C'est vraiment trop humide. J'ai bien mis 20 minutes. On va arriver à ces flammes-là qui vont peut-être durer un peu. Allez, je m'entretiens. Hein. Ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Parfait. C'est une bonne petite nuit. Ta santé, Bert. Parce qu'on oublie avec le feu, c'est qu'après on pue, on blaire la fumée, quoi. Ah ouais, j'aspire un petit feu de camp dans un contexte un peu plus sec. Toujours pas, hein. Elle veut pas prendre cette petite écorce. Oh là là. La fumée, elle va droit vers ma tente en plus. Un petit bouchon de Jack. Oh oui. Je suis sûr que je vais passer la nuit tranquille. Je vais me lever tôt surtout. Je vais me lever très tôt. À Lausanne à midi, tout puant, tout crasseux. Je vais arriver chez ma pote. Et ben, ça va être douche illico presto. Salut Flo. Ça roule, il est bien ton appart. Je peux prendre une douche. Merci. Tu peux faire une machine aussi. J'ai pas utilisé de briquet pour allumer ce feu. Je suis fier de moi. Même ma feuille, même ma clope, elle est dure à allumer à cause de cette humidité ambiante. On est comme dans la jungle. 95% d'humidité. L'entretien de ce putain de feu. On est en train de dépérir. Et quand on n'a pas d'amadou, bah, y a les poils de barbe. On peut se les couper, hein, pour l'occasion. Oh, on est bien. C'est pas comme si ma vie était en danger. Hein. On est bien. Il a fallu se mettre un peu voir.
quelques gouttes sont tombées. Il y a un ciel assez menaçant. Hein. Ce serait vraiment trop top de se retrouver entre potes autour d'un feu, au milieu de nulle part. Le feu, c'est une véritable présence. Quel charisme. Une force de la nature. Qui monte vers le ciel. Défie la gravité. Comme les arbres. Il veut retourner vers son papa. Tout ce qu'il veut, c'est retourner vers son papa, le soleil. Il veut rentrer chez lui. Oui, bonjour. Pontarlier, c'est par où, s'il vous plaît? S'il vous plaît. C'est spécial, hein. Waouh, c'est un de ces endroits bizarres. Retour prématuré sur l'île, c'est samedi 28 à 11h38. Voilà, j'ai pris le chemin du retour de façon totalement intempestive, étant donné que je me suis foulé pour la deuxième fois ma cheville gauche. C'est magnifique, une fois il y a 3 semaines et une fois il y a 3 heures. Donc là par contre, ça, c'est vraiment pas cool. Bon, j'ai été à l'hôpital, d'ailleurs, pour la petite histoire, je me suis niqué la cheville il y a 3 heures à 30 secondes à peine. En voiture de l'hôpital de Franche-Comté. Donc c'était juste étudier pour que je me fasse faire des radios. J'ai l'impression. Voilà, bon. Voilà petite histoire. Donc pas de Lausanne ce soir ni demain, pas d'Annecy lundi. On rembarque.